Salut les Gloubules, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes au parc de la Tête d'Or, vélo, on lâche rien au niveau du sport. C'est très important, c'est très important. On se fixe de faire du vélo au parc de la Tête d'Or très régulièrement, c'est parti. Par contre, je vais me peler le cul aujourd'hui les Gloubules. Ils ont annoncé 8 degrés, 8 degrés, ouais. Alors j'ai repris le bonnet, hein. J'ai même pris le bonnet. Ah ouais. Ah, parce que moi j'aime pas avoir froid, c'est un truc de fou. Le vélo il est là les Gloubules, c'est parti, on décharge tout ça et on y va. Bon, et ben nous y voilà les Gloubules, hein. Quelle heure il est 8h57, 9h, c'est cool, très bien. Bon, j'essaierai de venir un petit peu plus tôt la prochaine fois quand même, histoire d'avoir un petit peu moins de monde sur la route, parce que mine de rien, à 9h, Lyon c'est quand même bouché. Je vais mettre l'écharpe. Par contre, il y a un truc que je kiffe pas du tout les Gloubules en ce moment, c'est que comme il fait froid, je mets mon tour de cou. Mais le tour de cou, pour éviter que ça me fasse un gros paquet ici, là, je le mets en dessous du pull. Sachez que c'est tout un art pour éviter de faire des bosses. Là, voilà. D'ailleurs, on va quitter ça. Hop là. Je te vois Bernard, il fait frais. Ok, ça va encore, hein, je trouve. Ça va, franchement. Les températures sont quand même bien redescendues, là. Je venais au parc de la Tête d'Or, il faisait à peu près 14 degrés. Là, là, on fait 8, voire 6. Un peu tendu l'histoire. Ah, comment je fais là? Comment je fais? Ah putain. Oh, quel bordel. Ah, vivement qu'il fasse bon. Vivement qu'il fasse chaud, bordel. Je ne supporte pas le froid. Je ne supporte pas le froid. Attention, hein. Les Gloubules, je suis pas de la team qui va dire j'ai froid en hiver et j'ai chaud en été. Non, non. En été, j'ai l'arrêt du cul qui va se pointer. On va arranger l'écharpe. Un petit peu. D'ailleurs, ça va faire bossu. Bon, enfin bon, c'est pas bien grave. L'idée, c'est de pas avoir froid. Peu importe l'apparence, on s'en fout. Bon. Le bonnet. Ça, c'est con, j'ai pas de miroir, mais. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, on aura pas froid. Bon, allez, Gloubules, je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Putain, je suis mort, bordel. En tout cas, ça fait du bien. J'ai pas eu froid, les Gloubules, hein. J'ai vraiment pas eu froid, donc ça c'est cool. C'est top. Mon dieu. Putain, j'ai froid au crâne, de dieu. D'un coup là. Bon, les Gloubules. Ah, j'ai un peu la haine quand même. J'ai mis 2 minutes de plus que d'habitude pour faire les deux tours du parc. Donc, je suis pas dans ma grande forme. Oh mon dieu. Oh la vache. Va falloir faire plus attention à ce que je mange quand même. Histoire de perdre du poids. Vraiment là pour le coup. Ça me ferait du bien d'avoir des nouvelles performances. Donc de maigrir un petit peu. Donc avoir à pousser un poids un peu moins lourd. Un cul un peu moins gros aussi. Voilà. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympathique. Bon, pour l'heure, on rentre à la maison. À prendre une douche bien méritée. J'ai l'arrêt du cul qui transpire, je vous en parle même pas. Ah, il y a un sens bien pressé pour mettre le vélo. Adieu. Ah, et aussi, je suis pas aidé avec la sangle aussi. Voilà. Oula, la caméra elle va tomber. Oh, je la sens mal la caméra. Ouh, que j'ai. Ah ouais, d'accord, ok. Non, je me suis mal pris. Ah putain, fais chier. Merde, merde. Allez, allez, tourne. Pivoter. Pivoter. Ah ouais, je suis un dieu. Hashtag fan de Friends, hein, si vous me regardez. Allez, hop. Les Gloubules bien rentrés à la maison, il est 10h13 du matin. Je n'ai pas déjeuné ce matin, donc ce que je vais faire, je vais me faire un mini bol. Un tout petit bol, comme ça, mini bol, comme moi. Pour mettre des flocons d'avoine, je vais mettre un petit peu de noisettes, amandes, etc., etc. Je vais agrémenter ça de quelques pépites de chocolat et du lait. Voilà, donc un petit déjeuner tranquille. Plus un café, je pense qu'on va être bien quand même. Alors oui, effectivement, ça fait pas lourd. Mais quand tu penses que tu manges dans 2 heures, ça sert à rien de se blinder l'estomac. Quelques noisettes, quelques pépites de chocolat aussi. Regardez les Gloubules, de quoi se colmater l'estomac au moins pendant 1h30, 2h. Voilà, on est bien. Faut bien patienter le repas de midi. Et c'est parti pour la bouffe. Il aurait peut-être fallu que je rajoute des rasins secs dedans. Ça aurait été bon. Ça fait du bien de bouffer quand t'as faim. Hein. Ouais, Gloubules. Parlons peu, parlons bien.
prochains 24 heures. J'ai déjà une idée en tête, donc c'est pour bientôt, préparez-vous. Hein. Par contre, je peux vous garantir qu'après ces 24 heures, il va falloir en faire des tours du parc de la Tête d'Or. Mon Dieu. Mais voilà, on est tranquille pour 2 heures. Comme ça, moi, je sais que je vais pas clignoter dans la cuisine. Je suis tranquille, je suis bien. Petit café? Petit café. On va ranger ça. Et voilà. C'est parti. Bien, bien chaud là. Putain, la vache. Bon, on va aller prendre une douche, hein. Ouais, on va aller prendre une douche. Bien, voici le repas du jour, les globules. Un repas bien diète. À l'intérieur de cette assiette, vous avez du thon et des haricots verts. Ça nous fait une sorte de salade d'haricots verts avec un petit peu de protéines. C'est bon, ça fait plaisir. Le bruit que vous entendez là derrière les globules, c'est la machine à laver. Ouais, je vais tourner les draps. Bah oui, c'est parce qu'on est influenceur qu'on fait pas de ménage, hein. Les globules, je vous souhaite un bon appétit, on se retrouve tout de suite après. Oh les globules, nous sommes actuellement en début de soirée, je me rends à Sushi End pour aller chercher des sushis. Vous savez qu'avec Lucie, notre péché mignon justement, c'est les sushis. Alors je vous ai parlé tout à l'heure de faire attention à la bouffe, etc., etc. Mais ça va, les sushis, ça reste un cheat meal, mais un cheat meal comme on dit, assez light. Parce que ça reste du riz, ça reste du poisson, donc du coup, ça va, c'est pas non plus trop gras. Donc au niveau de la prise de poids, on est tranquille, on est safe. Moi, les seuls sushis que j'aime pas, alors Lucie par contre, pour le coup, elle kiffe tous les sushis. Moi, il y a des sushis que j'aime pas, c'est les longs là. Les longs avec la grosse tranche de poisson dessus. Ça, c'est pas forcément que quelque chose que je kiffe. Je préfère les makis, les rolls, etc., etc. Et à Sushi 1, ils en font des très très bons. Franchement, on va très souvent là-bas, c'est le top. Ça y est les globules, les sushis sont là. C'est tout là-dedans, c'est tout là-dedans. On va se gaver. En plus, la serveuse de Sushi End, elle a été trop sympa parce que le bar, en fait, le comptoir, il est vachement haut. Donc généralement, quand ils donnent les sacs et que le comptoir est vachement haut, bah forcément, on est petit, on peut pas l'atteindre. Elle a pris le sac, elle a fait le tour du bar. Franchement, ça fait plaisir. C'est toujours une attention qui fait plaisir. C'est cool, c'est top. Bon, par contre, on rentre à la maison. Je crois qu'il doit être quoi, 6h30. Mais je vous jure comment je pète la dalle, sa maman. C'est un truc de fou. Oh là là, j'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte d'être à la maison, là. En plus, ma petite chérie, elle m'a dit, allez, je prépare la table, tout bien, tranquille. Comme ça, on est posé, on est devant la télé. Ah, j'adore les soirées comme ça. C'est un truc de fou, c'est un truc de malade. Par contre, les globules, j'hésitais à prendre le blouson, hein. Il caille sa mère. Oh, le vent, il est glacial. Il n'y a plus de soleil, il est caché sous les nuages là-bas. Oh franchement, oh, j'ai froid. Oh j'ai froid, putain. Oh le vent. Oh, vite rentrer, se mettre au chaud. Oh putain, on va être bien. On va être bien. Allez, ah, la voiture est là, c'est tout bon. Allez les globules, on est reparti dans les travaux, j'ai remis mon survêtement, donc il me reste à poncer 2-3 petites choses dans le couloir. J'espère cette fois-ci que ce sera la bonne, que je pourrai ensuite, que j'aurai plus qu'à nettoyer mon mur et à l'aspirer pour ensuite le repeindre. Ça serait vraiment trop cool. Ceci dit, on verra comment ça passera au moment où je vais poncer, parce que s'il y a des trous à l'intérieur et que c'est des trous comme as, ça me ferait chier quand même. Mais sinon, j'ai sorti le sac à outils, ici, là. Et vous avez ici donc la bâche qui va me servir à protéger le placard, la petite pelle, la balayette, le petit aspirateur. On est parti les globules. Bon alors, on était où là? Oh putain. Ah oui, il y a quand même beaucoup de matière à poncer. Regardez les globules, je monte de plus près. Voilà, il y a quand même beaucoup de matière là à enlever. Et tout ça, c'était pour justement masquer les trous qu'il devait y avoir en dessous. Se casser la gueule, ce serait quand même con. Allez, Bernard, go ponçage. Ponçage terminé. Nouvelle gueule de merde. Voilà, génial. Voilà, voilà, Bernard recouvert de plâtre, on kiffe, on adore, c'est magnifique, c'est super sympa. Je suis encore bon pour une petite douche, les globules. Et quand je dis petite, elle va pas être petite, celle-ci. C'est ma troisième douche de la journée, j'en peux plus. Entre la douche du vélo, de la musculation, maintenant c'est celle-là,
je peux plus. Je vais avoir la peau, elle va finir par se décoller toute seule. Donc maintenant, ce qui me reste à faire, c'est à aspirer tous les murs. J'ai déjà balayé une majeure partie de la poussière par terre. Comme vous pouvez le voir, il reste encore quelques petites traces blanches. Pardon. J'ai donc aspiré les murs pour limiter la poussière dessus, pour que je puisse peindre correctement et justement pas faire de caca sur les murs à cause de la poussière. Voilà. J'en peux plus, je suis crevé. Je suis crevé. Bon, les globules, on se retrouve après une bonne petite douche. Franchement, ça fait du bien quand t'as bien transpiré, te sentir tout propre et que tu sens le frais. C'est trop cool. Ce soir, qu'est-ce qu'on mange ce soir? La bouffe, c'est la vie. Ce soir, on mange des burgers. Donc là, vous avez les pains à burgers ici. Vous avez aussi les frites là. Donc, je vais les passer au four. Le four est en train de préchauffer. Et là, j'ai qu'une hâte, c'est que ma chérie, elle rentre. Parce que ma chérie est partie se faire les ongles après le travail. Et là, ben, 19h23, elle ne peut pas bouffer. J'ai faim, bordel! Bon, les globules, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, j'ai pas pu vous vloguer les hamburgers. En fait, je pétais tellement la dalle, que je n'ai même plus pensé à vloguer les hamburgers. Franchement, en plus, je les avais bien réussi. J'avais mis la petite tranche de cheddar pour ma chérie. J'avais mis la petite viande, le pain hamburger par-dessus. J'avais fait des frites, donc j'avais tout disposé bien dans l'assiette. On avait de la sauce barbecue et tout, donc c'était bien, bien bon. Franchement, je me suis bien pété le bide. J'ai pris un Activia citron. Généralement, ça active pour aller casser le chiotte derrière. Donc ça, c'est top. Bien, les bébés, merci à tous d'avoir suivi ce vlog jusqu'au bout. Surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, et Dieu sait qu'il y en a, n'hésitez pas à cliquer ici. C'est ici qu'il faut cliquer pour vous abonner, pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne et que vous voulez revisionner tout mon contenu, n'hésitez pas à cliquer ici et là. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao !